Somme d'argent a été prise. Il a eu accès à leur compte. Seigneur Jésus! Hey! Pourquoi l'as-tu fait maintenant? Hey! Tu sais quoi? Tu ne dois pas laisser quelqu'un savoir que notre source a diminué. Tu dois aller chez Akolono. Dis-lui qu'il arrête tout plan qu'il a entrepris. Dis-lui que tu vas l'envoyer de l'argent. Pas un transfert d'argent. Tu as dépensé, il ne doutera pas de toi. Ok. Je ferai absolument tout ce que tu diras. Mais tu connais Akolono. L'argent d'abord. Dis-lui juste que tu lui feras un transfert d'argent. Il ne doutera pas de toi. Hey! Ok, mère, je vais faire autre chose. Hey! Mes amis m'appellent aussi. Je suis Jennifer. Jennifer. Toutes les filles s'appellent Jennifer. Et tous les gars que je connais sont soit Oscar ou John. Oh, c'était une parenthèse. Jennifer, en fait, je suis venu dans cette ville avec beaucoup d'argent dépensé. Mais mon problème est que je n'ai pas avec qui dépenser cet argent. Et important. Alors, si ça ne te dérange pas, peux-tu me tenir compagnie cette nuit? J'ai l'air dérangée, mais ce sera très cher pour toi. Je vois beaucoup d'argent. Tu n'as pas encore donné ton prêt. J'aime ça. Un homme qui sait ce qu'il veut. Je t'aime bien. 100 000. Tu pourras faire
tout ce que tu as envie de faire avec moi. Toute la nuit. Rocky bébé. Hmm? Je le ferai. Ta langue est plus douce que le miel. Je pense que 50 fera l'affaire. Je ne dis pas ce que je peux faire. 60. Maintenant, je crois à ce que tu dis. Sincèrement, je te crois. Chérie, affaire conclue alors. Parle-moi un peu de toi et... Tu sais... Tu es riche et influent. Ce sont les deux qualités qui font le standard d'un homme. En plus de cela, tu es honnête. Je suis honnête. Oui, bien sûr. Tu es l'homme le plus honnête parmi tous les conseillers hypocrites de mon père. Bien, merci pour les compliments. Tu ne me crois pas. Tu vois, je sais qu'Emeka a approché tous les autres membres du conseil pour faire ce que tu as fait. Ils ont pris son argent, mais ils n'ont pas eu le cran d'affronter mon père. Mais toi, Mazia Kulono, tu es le seul qui a répondu à ses attentes. Ah, maintenant je comprends ce que tu veux dire. Écoute, j'aime les hommes qui prennent des risques, sans crainte, mais qui le font tête haute. Et je pense que le moment est venu qu'on devienne partenaire dans mon entreprise. Alors écoute ceci. Faites-moi le prince héritier. Et je ferai de toi le partenaire de l'entreprise royale. Aimerais-tu bien travailler avec moi? Votre Majesté. Je t'ai toujours aimé depuis que tu étais bébé. C'est pourquoi je n'ai jamais perdu espoir en toi. Et chaque fois que je me sens blessé par quelques de ces actes irresponsables, je n'ai jamais cessé de te ramener à l'ordre. Ah, Ichimaru. Ichimaru. Mon prince. Tu es le bienvenu. Merci. Prince Ken, je vous salue. Prince Ken, je vous salue. J'espère que tout va bien. Pourquoi ignorez-vous ma présence et ne répondez même pas à mes salutations? Ophélie, suis-je obligé de remarquer ta présence ou de répondre à tes salutations? Ne peux-tu pas prendre ça comme un signe qui montre que j'ai envie d'être seul? Prince Ken, s'il te plaît, ce n'est pas arrivé à ce point. Prince Ken, continue à m'insulter. Si ce n'était pour l'amour que j'avais pour ton père, je devais te donner une grande leçon qui devait te faire trembler jusqu'aux os à l'écoute de mon nom. Oui. Ophélie, tu es un petit chien. Moi. Je peux te faire disparaître avec le bout de mon doigt. Même si je ne sais pas à quoi ça va me servir. Mais si tu tiens à ta misérable vie, reste loin de moi. Reste très loin. Reste loin... Prince Ken, Prince Ken, s'il te plaît, que veut dire ceci? Tu sais, tu es une bonne personne, tu ne peux pas comprendre. Cet homme est sorcier. Il est sorcier. Il est sorcier.
Comment dire? Oh mon Dieu. Ça c'est quoi ça? As-tu touché à mon téléphone? Non, je n'ai pas touché ton téléphone, je n'ai rien vu. Je n'ai pas demandé si tu as fait quoi que ce soit. As-tu touché à mon téléphone? Je n'ai pas touché ton téléphone, je jure, je n'ai rien vu. Je n'ai pas de temps pour tout ce blabla. Lorsque je serai prêt, assure-toi de me dire tout ce que je voudrais savoir. Sinon, tu emprunteras la falaise de la mort. Supporter parce que j'avais espoir de jour. Ifenania et toi, l'essuyer mes larmes. Mais je peux voir maintenant que tout n'a été qu'une pensée de folie. Maman, je sais pas pourquoi tu soulèves encore ce problème maintenant. Je ne sais. Kay, s'il te plaît. Juste laisse-moi parler. D'accord. Je ne pouvais jamais imaginer que toi et Ifunanya allaient me détester et vous méfier de moi de la sorte. Oh mon Dieu. Écoute, j'ai besoin de te voir dans les 24 prochaines heures. Je veux que vous regardiez droit dans les yeux et me dites que j'ai échoué dans mon rôle de mère. Écoute, maman, je dois urgentement me rendre quelque part. Alors, si ça ne te dérange pas. Si je ne vous vois pas, ça vous dédie que j'échoue. Alors, je veux en finir avec ma misérable vie. Je sais, tu es libre. Allez, maman. Bye, bye. Merci. Et
tu es malheureux, je t'en prie. C'est quoi le problème? Igwe, le corps de Petit Ophélie vient d'être trouvé au bord de la route allant vers sa maison. Le corps? Ophélie est décédé. Il est mort, Votre Majesté. Comment est-ce que ça va t'arriver? Igwe, je ne sais vraiment pas, mais le cas a été rapporté à la police qui a commencé les enquêtes. Oh, cette histoire ne me plaît pas du tout. Cette situation ne me plaît pas du tout. Pitié, quoi qu'il se soit passé, nous devons nous rassurer que ceux qui sont responsables de cet acte maléfique paye pour la crime. Quelqu'un a-t-il été vu? Père! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te montre quelque chose, s'il te plaît. C'est vraiment important. Bonjour, monsieur. Oui, père. Tu me conduiras à elle. Ichie. J'ai péché contre ma femme et contre Zekwesene. En les envoyant en exil, sans écouter leur version des faits. J'aimerais que tu viennes avec moi. Comme vous voulez, Votre Majesté. Ma chérie, demande à John d'apprêter la voiture. D'accord, père. Avoir dit que tu as raconté à ton père ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu attends? Mère, Shelta et toi n'allez pas apprécier les conséquences. Avant de partir, j'aimerais que tu saches que ton père est au courant par rapport à l'argent que Shelta a donné aux anciens. Raison pour laquelle il a demandé aux anciens de le remettre. Oui, je sais. Et tout cela va remettre cet argent qu'ils ont pris à Shelta. Mais Shelta et toi, vous allez en souffrir des conséquences. Il n'y aura aucune conséquence. Tu sais pourquoi? Ton père ne pourra entreprendre aucune poursuite. Parce que s'il le fait, il exposera cette famille à un scandale public. Et cette famille ne sera plus crédible pour prétendre à un trône de grand prince à cause de toi. Mère, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Ou c'est parce que j'ai l'intention de me plaindre de vous chez le père? Je ne comprends pas pourquoi c'est difficile pour toi de comprendre certaines choses. D'accord, laisse-moi t'éclaircir. Tu veux aller dire à ton père que Cheta, ton frère, t'a demandé de coucher avec Akonolo pour une somme de 2 millions de naira. Chose que tu as faite. Et il n'a pas pu te payer parce que son compte a été bloqué.
Attendons voir comment tu vas t'y prendre. Mais laisse-moi te promettre une chose, ma chère. Ton père ne pourra rien faire. Parce que cette famille, il n'est pas prêt à un quelconque scandale. Mère, vous vous croyez intelligent, n'est-ce pas? Attendons voir la suite. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Que se passe-t-il? Voilà Ken Anibouin. Prince Ken, vous êtes en état d'arrestation en rapport avec le maître de monsieur Uchi Ufuli Udog. Sage, lisez-lui le rapport. Hé, hey, calmez-vous. Êtes-vous en train de vous foutre de ma gueule ou quoi? Vous êtes arrivé jusqu'ici? Êtes-vous en train de m'accuser de meurtre? Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz peut être utilisé contre vous à la cour. Vous pouvez appeler votre avocat. Si vous n'en avez pas, le gouvernement vous en pourvoira. Vos mains, s'il vous plaît. Notez-le, s'il vous plaît. Vos mains! Jeune homme, s'il vous plaît, donnez-lui vos mains. Allez. Ok. Emmenez-le. Monsieur. Merci, votre majesté. Ok. Oublie salut. Je t'appelle juste pour te dire que ton fils a été arrêté. Pour le meurtre de Tchèfouli. Alors, on peut maintenant dire, le meurtre est ajouté dans toutes les atrocités que toi et tes enfants vous avez commises dans cette maison. Allô? Allô? Pardonne-moi. Etienne, ne me demande pas de me calmer. Ne me demande pas de me calmer parce que je ne le ferai pas. C'était pas ça l'accord. Je sais combien j'ai dépensé pour ce problème et l'investissement que j'ai mis pour ça. L'accord était de impliquer d'État et de l'accuser de la mort de Ophélie. Pas Ken. Comment est-ce que Ken se retrouve dans l'affaire, nom de Dieu? Pourquoi est-ce que tu as impliqué Ken dans toute cette affaire? Votre Majesté, je suis désolé que ça se soit passé comme ça. Je suis vraiment désolé. Vous voyez, à cause des querelles qu'il y a eu entre Ophélie et Ken. De ce quoi je vous ai briefé. Mon contact n'avait pas de choix que de faire arrêter Ken. Ité, oublie toutes ces histoires. Tu étais supposé mettre la mort de Ophélie sur Détat, pas Ken. Détat est mon problème, je veux ce garçon hors de mon chemin. Mais non, quel qu'en soit le plan que tu as en tête, tu feras mieux de le mettre en marche maintenant. Comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? Votre Majesté, si je peux avoir de l'argent, je vais pouvoir effacer toutes les preuves au poste de... Et ils vont recommencer. Vous devez savoir combien il est facile de résoudre ce genre de problème. Je n'ai plus une quelconque somme d'argent. J'en ai plus. Mais ça veut dire que nous sommes dans les problèmes. Ok. 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 Je suis calme. Et t'aide ou quelqu'un soit ce que tu veux faire. Pour résoudre ce problème, j'essaierai de mettre une somme dans ton compte plus tard. Bien. Nous devons trouver de l'argent et résoudre ce problème. Sinon, arrondi en dehors zola. Ici, où mon acquet. S'il vous plaît. Tu le fais le plus vite que possible.
Il faut qu'on trouve cet argent. Merci beaucoup. Merci. Mban, arrondi yon zongono. Amani sebi wonake. Majesté, que vais-je lui dire? Dis-lui que je voudrais la voir. Je veux lui parler. Demande-lui de bien vouloir me pardonner. Oui, Votre Majesté. Et on sait qu'elle n'a pas quitté l'hôtel depuis le matin. Alors, qu'allons-nous faire, mon fils? Oui, oui, que pouvons-nous faire? Elle est ma mère. Oui, elle m'a parlé de vous. C'est mieux qu'on aille voir. Merci. Mm-hmm. Allô, Tchétché. Griffin Gagouigoui. Qu'est-ce qu'elle a dit? A-t-elle accepté? Va-t-elle me voir? Votre Majesté, elle est partie. Partie? Que veux-tu dire par partie? Votre Majesté, elle est morte. Votre Majesté.
Votre Majesté. Édiqué, comment vas-tu? Très bien, Votre Majesté. Je suis venu voir votre père. Ok. Mais l'un des gardes m'a dit qu'il n'est pas là. Bien sûr. J'ai demandé après vous. Et on m'a dit que vous veniez d'entrer dans cette pièce. J'ai profité de venir vous voir. Je suis content pour toi. Tu es le bienvenu. Merci. Bien. Bien, puisque vous êtes là, ça ne me dérangerait pas d'attendre le roi pendant une éternité. Parce que je sais que l'attente vaudrait la peine. Édiqué, s'il te plaît, va-t'en. Parce que je ne veux pas être à l'origine de tes malheurs. Ce n'est pas de ma faute. C'est parce que je suis amoureux de vous que je suis devenu nuisible. Je n'ai peut-être pas d'argent. Ou même un trône comme celui de votre père. Mais Dieu sait qu'un jour, je me ferai mon propre argent. Et m'assierai sur un trône d'argent. Regardez-moi faire. Édiqué, sais-tu ce que tu es en train de faire? Et dégage-moi tes fesses de pauvre merde sur ce trône. Un instant. Avant de quitter ce trône, je veux que vous preniez votre temps pour regarder ce bel homme. Et dites-moi si je n'ai pas ce qu'il faut pour être un homme riche. Supposons que vous m'aimiez juste un tout petit peu. Et que j'étais assez riche avec un pareil trône. Ne pensez-vous pas que ce serait un vrai romantisme? Édiqué, que sais-tu de la romance? Assez, ma chérie. Je vous aime, Karen. Je vous ai toujours aimé. Et vous aimerez toujours. S'il vous plaît, aimez cet homme qui a jeté son âme au feu pour vous et donnez-lui un peu de paix. Karen, aimez-moi, ok? Aimez-moi. Je vous en prie.
Votre Majesté. Ah. Navré Majesté. Sors. Sors. Père. Ah. Oh. Papa. Oh. Oh. Tu vas bien? Est-ce que ça va? Toi. Es-tu heureuse maintenant? Es-tu heureuse? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Tu ne peux plus voir. Je ne vois pas. Hey. Je ne vois pas. Je. Oh. Père. Je ne vois pas. Père. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Tous deux avons les mêmes dispositions pour faire ce que nous voulons faire. Je sais que tu prendras le parti des Mecca lorsque tu seras appelé à voter. Mais maintenant, les dés sont jetés, le drame se poursuit. Et les hommes sont en train de se séparer des garçons. Idier, de quel côté seras-tu? Je choisirai toujours celui qui a plus besoin de moi. Uchi, ce combat est sur le point d'arriver. Et j'ai besoin de toi dans mon camp. Qu'est-ce que cela me coûtera? Bien, ça peut s'arranger. Iji, cette bataille est sur le point de commencer. Et j'aimerais que tu m'aides à devenir le prince héritier. Alors, j'ai besoin de ton savoir. Tu me comprends, n'est-ce pas? Alors, vous voulez que je laisse votre frère Mecca pour me battre pour vous? Exactement. Bien. 5 millions de naira. Juste 5 millions. Voilà. Vous me faites une avance de 2,5 millions et je me battrai pour vous. Une fois que vous êtes couronné, vous me payez le reste de 2,5 millions. Tu seras satisfait. Alors, qu'as-tu pour moi? Bien. Je me suis arrangé pour me battre pour votre frère. Mais maintenant, c'est vous. Je peux changer la situation. Je peux changer les choses en votre faveur. Uchi, le temps est ce que je crois nous n'avons pas. Je t'enverrai ton argent au complet. Bien. Aloigno l'ognoso. Amoisi boum. Amoisi boum. Non. Amoisi boum. Là, il y a la famille. Là, il y a ma femme fait. Je ne sais pas si quelqu'un va m'agir sur YouTube. Quand je t'assure. Hey, le padre. Patiné, tu le fais encore. Ne fais pas comme ça. Oh. Arrête ça. Oh. Il n'a même pas idée du lieu où il se trouve. Arrête de réfléchir. Tu ne sais pas ce qui t'arrive quand tu entres ici. Regarde-le. Regarde comment il fait. Il fait pitié. La prison n'est pas bien. Regarde. Enfin, comment nous... Regarde, il n'a pas encore dit. T'approche pas. Garde ton doigt. Allez, s'il vous plaît, maintenant. Hey, s'il vous plaît, venez voir, venez. Allez quoi, venez voir. Il est mourant. Venez. Votre Majesté. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Bien, tout ce que je peux dire maintenant, c'est qu'il a un trouble oculaire. S'il te plaît, parle en français. Bien, c'est une sorte d'aveuglement temporaire. Aveuglement? Hey! Causé par un trouble psychologique ou un stress émotionnel. Tu as dit que c'était temporaire, n'est-ce pas? Oui, Votre Majesté, c'est temporaire. Quand pensez-vous qu'il pourra retrouver la vue? Je veux dire, dans combien de temps?
Votre Majesté, ça peut être maintenant. Ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines et même des années. Je ne peux vraiment pas vous certifier. Année? Jésus-Christ. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Aveuglement? Alors, c'est quoi ce truc de rituel? Votre Majesté, c'est le rituel qui assure votre succession à votre père. L'échec de vous élire en tant que prince héritier par les membres du conseil m'a vraiment touché. Juste parce que Akolo n'a pas su entretenir les choses. Merci. Alors, c'est quoi la connexion entre ceci et le rituel? Il y a une de nos coutumes cachées que peu de gens seulement connaissent comme rituel du premier passage. Elle a été instituée à cause de certains rois obstinés qui refusaient de remettre le pouvoir. Votre Majesté, selon les traditions, le fils aîné du roi a le droit de lui succéder lorsqu'il devient clair que ce roi ne peut plus effectivement assumer ses responsabilités royales. Mais dans votre cas, votre père est aveugle. Et évidemment, il est confus. Bien. Qu'est-ce que le premier-né est supposé faire? Bien. Votre Majesté, étranglez à mort votre père. Uniquement dans tes rêves, ça ne pourrait jamais devenir une réalité. Jetta, tu sais, je me suis promis que quand je deviendrai roi de Umburku, l'une des choses prioritaires dans ma liste sera de faire un test d'ADN sur tous les bâtards qui prétendent dire qu'ils sont les enfants de mon père. Tu es malade et tu as besoin d'aide. Maintenant, écoute. Regarde ce trône. Ce trône est sacré. Et ne pourrait jamais, 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 jamais être le tien. Maintenant, la prochaine fois que je te ferai essayer de t'asseoir sur ce trône, je vais te brûler. Dita, es-tu en train de me menacer? Es-tu en train de me menacer? Je peux t'écraser tout comme un cafard. Et je te mets au défi. Écoute, la petite sorcellerie que fait ta mère. Où elle pense manipuler tout le monde dans cette maison. Mais frappe-moi! Mais frappe-moi! Toi et ta mère souffriront! Ta mère et toi, vous êtes inutiles! Toi et ta mère souffriront quand je te regarderai. Tu ne deviendras jamais le prince! Oh, ça c'est le mien! Ce trône ne t'appartiendra jamais! Je suis le premier! Tu es le fou que nous avons dans cette je maison! Je suis le premier! Tu es insensé! Hey, garçon! Qu'est-ce qui cause la guerre cette fois-ci? Hein? Père, puis-je t'aider? Non, merci. Je peux prendre soin de moi-même. Je suis sûr que je ne vous ai pas vu depuis que mes problèmes Dieu ont commencé. Mais je sais au moins où se trouve mon trône.
c'est le mien. Allez, viens, sors, tu vas voir. Vous pouvez me laisser. Un conseil pour mes enfants. Le lion occupe son trône et n'a pas du tout l'intention de le quitter de sitôt. Bonne journée. Tes larmes de crocodile ne vont rien résoudre. Va retrouver ta mère. Dis-lui que j'ai dit qu'elle doit retirer ce charme qu'elle a utilisé pour que notre mari soit vu. Va le lui dire cela. Oh, regarde-moi bien. Tu peux me regarder 100 000 fois. Ça ne va pas enlever un grain de cheveux sur ma tête. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas la retrouver et lui dire toi, Ben? Si tu oses encore m'insulter une fois de plus, je vais rendre ta vie misérable dans ce palais. Tu n'auras pas besoin de le faire parce que je n'ai pas peur de toi. Tu as eu ce que tu voulais. Laisse-moi tranquille. Laisse mon frère et moi tranquille. Nous ne sommes pas intéressés par la couronne ou tout ce que toi et tes enfants voulaient. Laisse-nous en paix. Pourquoi tu cries? Cries-tu sur moi? Pourquoi tu cries comme un chien enragé? Cries-tu sur moi? Tu me tournes le dos. Tu me tournes le dos, hein? Je vais en finir avec toi. Regardez comme vous êtes placés en me regardant comme des folles. À genoux. Pardon, votre majesté. Pardon. Vous l'avez regardé m'insulter. Vous vous êtes placé en la regardant m'insulter. Vous n'avez pas pu faire quelque chose. Désolé, votre majesté. Fermez vos bouches. Désolé à vous aussi, bande de stupides, idiotes. Regardez-les, bande de sorcières. Inutiles. Oignon, croyez-moi, elle est là. Qui est là? Votre Majesté, c'est... Tiens. Apollo, là. Ah. Puissiez-vous vivre longtemps. Akolono, qu'est-ce qui se passe? Votre Majesté, je suis présentement à genoux pour vous supplier de pardonner mes transgressions. Je sais que j'ai été l'opposé de ce que je devrais être. Et lorsque vous m'appeliez homme cupide, vous n'aviez pas tort. S'il vous plaît, pardonnez mes iniquités. Akolono. Je sais à quel point c'est difficile à un homme de se mettre à genoux et demander pardon. Tu es pardonné. Ah, merci, votre majesté. Je t'en prie. Merci, votre majesté. Votre majesté? Je voudrais profiter de cette opportunité pour exprimer le choc dû à la mort de votre épouse. Oh. C'est vraiment douloureux. Et je voudrais prier à Dieu Tout-Puissant de vous vêtir de force pour pouvoir supporter assez cela. Amen. Merci. Merci, Akolono. Merci. Votre Majesté. Tu sais, nous étions en train d'essayer de se remettre de la perte de Ophélie. Et ensuite, soudainement, mon épouse. Terrible situation. L'enquête qui a été ouverte par la police trouve à quel niveau? Okay, ils y sont toujours.
Ils sont toujours en train d'enquêter. Ah. Votre Majesté, s'il vous plaît, je voudrais dire que je suis vraiment désolé d'avoir conduit tout le cabinet des anciens dans la corruption. Je suis vraiment désolé. Bien. Adieu toute la gloire. Le plus important sur cette affaire, c'est que tu as réalisé tes erreurs. Ouais. Et tu t'engages maintenant à tourner le dos à tout ça. Oui, mais c'est ça. Après avoir remercié Dieu, tous les remerciements devraient aller vers le prince Tieta. Le prince Tieta est venu me parler. Et il a ouvert mes yeux de toutes les stupidités du passé que nous avons faites. Oui. Qui est venu avec toi? Personne. Personne, votre majesté. Je peux ressentir la présence... Personne, votre majesté. Personne. Personne. Ah, oh! C'est le prince Ken. Ken. Je pense qu'il vient vous voir. Ah. Votre majesté, je demande à partir. Je viendrai vous voir de temps en temps. Ah, ok, merci. Ok, merci. Okay. Prince Ken, bye bye. Ken. Papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Longue vie à toi, père. Amen, amen. J'ai été arrêté par la police qui m'accusait du meurtre de Phyllis. La police m'a arrêté pour le meurtre de Phyllis. Ah. Elle n'avait pas de preuves pour m'incriminer. Encore moins de témoins. Alors l'avocat m'a libéré. C'est ce qui s'est passé. Pourquoi quelqu'un s'engagerait-il à tuer au filet? Je ne sais pas. Papa, je ne sais pas. Ta mère... Je sais. Ifu Nanya m'a déjà tout dit. Je suis navré. Père, ne va pas à cet endroit. Ça sera une erreur. Tu as vu la vidéo. Et tout homme en ta position aurait... probablement fait la même chose. Je l'ai jugé et je l'ai condamné. Si nous continuons à faire ainsi, Père, je veux m'arranger à faire tous les arrangements pour son enterrement. Merci, mon fils. C'est tout ce que je peux faire maintenant. Merci. Je demanderai aux servants d'apporter la nourriture. Non. Non, merci. Je n'ai pas faim. Père, tu dois manger quelque chose. Tu ne peux pas continuer ainsi. J'insiste. Ok. D'accord. Je vais manger. Merci. Mon fils. Oui, papa. Il y a quelque chose de différent sur toi. Je n'ai pas le choix, je dois grandir. Hmm.
Sois béni, mon fils. Merci. Je ne suis pas contente du retour d'une Sekwesulu. Je ne suis pas contente. Écoute, mère. Mère, tu t'inquiètes un peu trop. Tu t'inquiètes un peu trop. Sekwesulu est juste un homme dans toute cette équation. Hein? Alors t'as pas besoin de t'inquiéter. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Parce que je ne pourrais supporter la honte venant de Sekwesulu en se moquant à ma présence. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous n'allons pas échouer. Nous n'allons pas. Crois-moi. Nous avons Itié à Kuruno, à notre côté. Et les autres anciens. Qui est-ce qu'ils ont? Dis-moi, qui est-ce qu'ils ont? Personne. T'étais occupé à courir dans toutes les directions et dans aucune direction particulière. Sans cesse. Et Ken? Qui est-ce que Ken a? Ce vieux fou qui pense qu'il est encore un jeune homme. C'est quoi son nom? Itié Madou. Je n'ai pas besoin d'un devin pour me dire que je suis dans l'équipe gagnante. Mon fils, les choses pourraient bien aller pour nous. Mais il y a une chose que nous n'avons pas. Le temps et assez d'argent pour utiliser. Et le temps, premièrement, n'est pas en notre faveur. Nous n'avons que 3 jours. Juste 3 jours pour pouvoir conquérir les anciens. À forcer ton père à te céder le pouvoir. Hey! Nemo. Nemo. Agumam. Calme-toi. Crois-moi. Si dans les prochaines 12 heures, on n'entend pas de bonnes nouvelles, je le jure, je vais faire vibrer ce royaume. Agumamo. Nemo. Agumamo. Crois-moi. Un petit peu. Juste crois-moi. Un petit peu. Okukiku. Nous allons les broyer. Thank you.
là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qui est là? Qui est là? Je demande qui est là? Répondez, qui est là? Les médecins disent que cet aveuglement n'est que temporaire et que tout redeviendra normal. Vous ne méritez pas ceci. Oh, mon frère, tu ne méritais pas la punition qui t'a été donnée. Tout cela fait partie du passé, Votre Majesté. Je n'ai pas su gérer la situation. Ou est-ce que je vais commencer par m'excuser pour l'humiliation et l'embarras auquel j'étais soumis? Ma justification est assez pour moi. Je suis content que la vérité a été finalement connue. Oh. Et lorsque le temps viendra, je mettrai la main sur ceux qui sont derrière cette affaire et leur faire payer la monnaie de leur propre pièce. Adieu, la vengeance. Et il se sert des justes pour punir les méchants. Calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ne laisse pas qu'elle te fait perdre la concentration. Mère, comment pourrais-je me calmer? Comment pourrais-je me calmer? Ceci montre que c'était une stratégie que Ken adoptait depuis tout ce temps. Et sinon, pourquoi un idiot complet s'est juste transformé en une nuit et est devenu calme et bien encore comme un idiot? Quel est ton problème avec ça? Mère, parce que je sais comment cette histoire finit. Le fils prodige gagne toujours à la fin de l'histoire. Pas quand ils connaissent que c'est lui qui a tué Ophélie. Bien sûr qu'ils savent que c'est la caution qui l'a fait sortir de prison. Et ça, il est automatiquement disqualifié pour être nommé prince héritier. Cheta est le problème que tu as maintenant. Combien as-tu? J'en ai pas assez. Tu vois? Tu vois? Au lieu que tu transfères assez d'argent dans ton compte, tu prétends avoir un total contrôle sur l'argent de ton père. Tu vois?
Hey! Je sais pas. Je verrai ce que je pourrais faire. Je travaille sur quelque chose d'autre. Je travaille sur quelque chose d'autre. Votre Majesté, j'ai une suggestion très difficile à faire. Mais c'est toujours dans l'esprit de faire de ce royaume le meilleur et aussi assurer votre santé. Mais c'est quoi, c'est... Fais-moi écouter ta proposition. Igwe, considérant votre condition actuelle, je crois que cela devient impératif officiellement que vous remettiez les responsabilités de ce royaume à un prince héritier. Sais-tu où se trouve Emeka présentement? Je ne saurais le savoir, Votre Majesté. Je me disais que la personne qui est supposée me remplacer serait mon plus grand soutien en ce moment même. Mais parce que j'ai pris une position au sujet de ce transfert de pouvoir automatique, il a coupé les ponts. Au lieu de chercher des moyens tactiques et techniques pour renforcer sa position. Votre Majesté, je comprends ce que vous dites. Mais vous avez moins de 50 heures de la célébration de la 19e année de votre règne sur le trône de Umboku. Je pense le savoir mieux que toi. Votre Majesté, vous devriez... Oser. Je suis fatigué. Je vais commencer par apporter des remarques sur la manière avec laquelle vous travaillez dans ce palais. Je peux tolérer n'importe quoi, mais rien qui puisse porter atteinte à mon père. Je veux voir de l'engagement. Je veux voir beaucoup plus d'engagement. Est-ce que vous m'entendez? Merci. Oui, Votre Majesté. Bonjour, Votre Majesté. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour, Votre Majesté. Êtes-vous stupide? Qu'est-ce que j'ai fait de votre bonjour? J'ai dit qu'est-ce qui se passe ici? Alors, tu vas maintenant donner les ordres dans cette maison. Se tenir comme un prince héritier. Avec tout votre respect, Votre Majesté, je n'ai que faire de vos histoires de prince héritier. Je fais ce que je pense être nécessaire. Et vous les idiots, qu'est-ce que vous faites ici? Mettez-vous dehors! Sortez! Je suis surprise du fait qu'un homme qui s'en fout complètement de ce qui se passe dans ce palais se lève et commence à jouer le gentil homme. Votre Majesté.
Père. Ah, Ken, comment vas-tu? Je vais bien. Père, je suis venu pour savoir s'il te faut quelque chose dans cette maison. Merci mon fils. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Merci. Alors je te vois quand je rentre. Ken. Qu'est-ce qu'il y a, père? Je te remercie énormément d'être là pour moi. Papa, tu n'as pas besoin de me remercier. Je fais ce qu'il y a de normal qu'un fils fasse pour son père. Ah. Mais on ne sait jamais bien comporter chacun comme père et fils. C'est pour cette raison que tu es la personne la moins attendue d'être là pour moi. J'aimerais te dire merci. J'aimerais te dire merci. Et que Dieu, dans toute sa grandeur, continue de te bénir. Amen. Père, je regrette vraiment tout ce que j'ai pu faire. Je suis désolé. Non, ça va. Je venais voir mon champion. Vas-y, mon fils. Sa Majesté. Votre Majesté. Qu'est-ce que c'était? La reine, votre majesté. La reine? Laquelle? La deuxième, votre majesté. La deuxième. Cheta, j'aimerais connaître ce que tu as comme plan pour être déclaré prince héritier. Je fais de mon mieux, maman. Ton mieux n'est pas assez. Il ne te reste que 2 jours. Et il y a de cela 2 minutes, j'ai vu ton père béni Ken. Et tu es là à te comporter comme si je t'agaçais. Je n'ai jamais dit que tu m'agaçais. Alors mets en exergue tout ce que tu as comme plan. Mère, le silence n'est pas l'inactivité. Servir ou être proche d'un roi aveugle signifie pas qu'on sera son héritier. Relax. Observe. Je travaille dessus. Igwe, encore toi. Je... Qui est-ce? Votre Majesté, c'est le prince Cheta. Ah, Cheta. Comment vas-tu? Je vais bien, père. Je vais bien, père. Mais je pourrais aller où ici? Si tu trouvais une place dans ton cœur pour me pardonner, père. Je sais que je t'ai traité d'une manière que je ne devrais pas. Et je me suis rendu compte de mon erreur. Maintenant, père, s'il te plaît, pardonne ma faute. Pardonne ma faute. S'il te plaît, père. Pardon. S'il te plaît, pardonne mes erreurs. Je suis vraiment désolé, père. Je suis désolé, s'il te plaît. Pardon. Ça va. Ça va, mon fils. Je t'aime, pardonne. Ah. Oui. Oh. Je suis content d'être témoin de ceci. Je suis simplement ému. Igwe, peux-tu s'il te plaît me permettre d'interroger ce pauvre homme? Oui, bien sûr. Oh, d'accord. Ok, c'est bon. C'est bon là. Bon, ça c'est bon. Ah, c'est magnifique. Ça c'est bon. Ça c'est génial. Merci. Merci.
Ah, déjà? Ah, c'est digital comme ils disent. Ah. Eh ben, père, tu dois maintenant vous laisser. Ah, dans la paix, mon fils. Oui, père. Que Dieu te bénisse, père. Dans la paix. Ok. Étrangler ton père devant tous les anciens n'est pas une bonne idée. Ce sera peu d'honneur et beaucoup de négativité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ce sera le dernier recours. Mais pour le moment, nous devons le rendre incapable. Une fois cela fait, tu prendras le dessus. Personne ne te questionnera parce que tu es le premier fils. Le rendre incapable. Comment? Laisse-moi m'en charger. La brillance avec laquelle tu as exécuté ce plan. Impose du respect. Tu es grand. Tu es grand. Ithier, que dois-je dire encore de plus? Ton niveau d'expérience est tellement accru et contagieux que moi-même je me sens déjà comme toi. Ben, disons que nous deux nous sommes brillants. Et pour notre bien, il faut qu'on travaille toujours ensemble. Bien sûr, bien sûr. Bien. Nous avons maintenant une photo où le roi, tout heureux, te déclare son prince héritier. Et te remet le certificat. Ça, c'est vrai. Bien. N'oublie pas d'appliquer la substance que je t'ai donnée sur le trône. Et aussitôt que tu t'assieras là, on rendra public ta déclaration. Et personne d'autre ne rejettera cela. Pas même le roi. Oudjie, un roi sous-muet ne peut rien contester. Ah. Arouagno l'ognoso. Amwamsi boubulaki. Mba. Mba. Ma princesse, je dois saluer le changement que je vois en toi maintenant. Ta mère sera très contente, peu importe où elle se trouve. Que son âme repose en paix. Merci, monsieur. Je vous prie de nous passer ce destin plus fort pour voir la paix revenir dans le palais. C'est le moment où nous avons plus besoin. Je ne serai pas, ma fille. Je ne serai pas en tant qu'ancien et dépositaire des vertus de notre peuple. Que le fait que tu as maintenant vu la faiblesse de votre amour et loyauté des uns envers les autres en tant que famille ne te pousse pas à la haine, mais plutôt à la paix et l'unité. Je te fais sur toi. Merci. Merci, monsieur. Merci pour tout, monsieur. On se voit. Ok. Merci. Majesté, ça c'est la seule chose que tu feras pour moi. Je te promets de ne plus te faire changer d'avis sur n'importe quel problème concernant cette famille. Je m'agenouille au nom de l'amour qui nous unit pour te supplier de déclarer Cheta comme prince héritier. Pour sauver cette famille de toutes les difficultés qu'elle traverse. S'il te plaît, chérie. Malheureusement, que ce ne sont que dans de pareilles situations qu'on réalise que l'élément qui nous relie tous en tant que famille est aussi très simple. Je suis d'accord avec toi, chérie. Mais si je t'assois sur ce trône, il pourrait empêcher la couronne d'aller dans une autre famille. Chérie, je sais très bien que plusieurs personnes souhaiteraient que les choses continuent ainsi. Jusqu'à ce que tu perdes le pouvoir. Afin qu'il vienne prétendre au poste de prince héritier. Mais tu dois faire quelque chose, chérie. Hey,
Laisse-moi te rassurer que ni la position du prince héritier ou le trône quittera la famille Anibwai. Merci, chérie. Merci. Tu peux t'en aller. Merci. Votre Majesté, votre repas est prêt. Qui c'est? C'est Sandra, votre Majesté. Sandra? Oui, votre Majesté. Ah, je serai là dans ce moment. Ok, votre Majesté. Oui. Ah non. Tu n'as pas à m'attendre pour m'y amener. Je peux y arriver tout seul. Ok, votre Majesté. Merci. Je crois fortement que ce n'est pas inutile de penser à cela. Qu'est-ce qui te fait penser? Quelle est une menace? Ken a laissé croire à chacun dans cette maison qu'il n'est pas intéressé par l'affaire du trône. Et il a toujours été comme une épine pour mon père. Mais va au palais. Tu le verras en train de tourner autour de notre père comme un enfant, Ike. Celui que la Bible appelle fils prodige avait tout réussi dans sa vie. Mais tu sais quoi? Cette histoire ne va plus se reposer. Mais... il était impliqué dans le meurtre de sa mère. Il s'empare du palais. Parce que le témoin de cette affaire avait peur de témoigner contre le prince. Mais je vais te dire, il n'y a rien qu'un certain montant d'argent ne puisse faire. Ije, trouve ses faiblesses et utilisez-les comme avantage pour nous. Ok, je ferai cela. Parce que... Arouan Molognoso, merci pour Mnani. Je le promets, une erreur. Maintenant marche en notre faveur. Arouan Molognoso, merci pour Mnani. Sans trop perdre votre temps, j'ai 500 000 naira pour toute personne qui se lève comme témoin pour le meurtre d'Ophélé par le prince Ken. Nous avons aujourd'hui et demain pour faire cela. Adago, je veux savoir ce que tu en penses. Aussi tôt que possible. Merci. Oui, gars. Si cet homme dit que la 500 minéra pour la personne, cela veut dire que le prince Emeka lui a donné 1 500 000 pour cette affaire. Je vous l'ai dit, car cet homme ne fait que s'enrichir aux dépens de notre sueur. Et ça doit s'arrêter. Mais avant de faire cela, n'oublie pas qu'on se fait beaucoup d'argent à partir de ce boulot. Bien. J'ai une alternative qui nous fera gagner de l'argent directement du palais. Maintenant, je t'écoute. Bien. Que faites-vous ici? Dehors. J'ai dit dehors!
Garde! As-tu égaré quelque chose par ici? Rien. Je cherchais juste un endroit où je peux bien réfléchir. Je pensais que tu es sorti. Qu'est-ce qui se passe? Père nous a demandé de ne pas sortir. Mm-hmm. Parce qu'il a une annonce importante à nous faire. Mm-hmm. Il a déjà fait appel à une urgente réunion des conseillers. Ce matin? Oui. Peut-être il va déclarer le prince héritier. Je ne le savais pas. Je pense. Quoi d'autre peut être si sérieux? Qu'importe ce que c'est, j'attends. Ok. J'attends. Sinon, est-ce que tu as faim? Non, je n'ai pas faim, merci. Es-tu sûr? Oui. Parce que j'ai préparé quelque chose de très délicieux. Tu vas aimer. Comme quoi? Riz poulet. Si tu avais préparé quelque chose comme l'igname. Vita, non, la sauce est sala. Fraîche, fraîche. Vive Igwe Anibwane. Ici. Nous sommes à votre présence. Et je crois que c'est très important que vous occupiez votre position légitime et parliez à votre peuple. Ancien de Mboku, une fois de plus, je vous salue. Igwe. La pression qui pèse sur moi au sujet du prince héritier est énorme. Mais elle n'est rien comparée à mon besoin d'une autre paire de mains pour aider à diriger ce grand royaume. Je vous ai tous invités ici pour que vous soyez des témoins à l'occasion de cette déclaration du prince héritier. Igwe, puissiez-vous vivre longtemps. Ici. Igwe, maintenant que vous êtes convaincu, le moment est venu. Nous sommes là pour être vos témoins. Ancien de Mboku. Igwe. En présence de tous ici, et par les pouvoirs qui m'ont été conférés, j'appelle Chitachuku Anibwane. Allez occuper le trône pour qu'il soit déclaré prince héritier. Votre Majesté, pourquoi le trône? Il n'est pas encore le roi. Oui, oui. Mais j'aimerais ressentir son aura. son pouvoir pendant qu'il s'assied sur ce trône. Qu'est-ce qui se passe? Le prince Satan nous a quittés. Je ne pense pas qu'il veut être le prince héritier.
Mère, tu as demandé à me voir. Es-tu au courant de ce qui s'est passé dans la chambre royale aujourd'hui? Mm-mm. J'étais ton frère a été choisi pour être le prince héritier. Par Igwe, ton père. Et on lui a demandé de s'asseoir sur le trône pour la confirmation. Et il n'a pas pu s'asseoir sur le trône. Mère, mère, s'il te plaît. Je ne veux plus rien savoir ce qui va devenir le prince héritier ou pas. Si Cheta a refusé cette position, ça c'est son problème. Penses-tu que ton frère a toutes ses facultés pour refuser de s'asseoir sur ce trône? Hein? Ton père n'a jamais voulu aimer qu'à sur cette place. C'est pourquoi il a choisi Cheta. Mais ils ont empêché Cheta de s'asseoir dessus. Qui penses-tu être responsable? Mère, comment suis-je supposé le savoir? Hein? Oh Dieu, parfois je me demande à quel feu utilises-tu ce que Dieu t'a donné comme cerveau. Tu vois ce sur quoi je t'avertissais par rapport à Ifunanya et son frère? Mais tu ne m'as pas écouté. Mais regarde maintenant. Voilà que Meka et Cheta ont été disqualifiés. Qui penses-tu qu'il va gagner? Ken va marcher gracieusement vers le trône. Ah Dieu. Regarde ce qu'ils ont fait à ton frère. Regarde ce que ton frère a fait. Hey! Hey! Je le savais. Je savais depuis le départ que père n'a jamais voulu que je sois le prince héritier. Il ne fait que me tourner. Je ne vais pas m'asseoir et encaisser ça. Je vais prendre une décision drastique. Une décision qui va secouer ce royaume depuis ses fondements. Ferme-la! Ferme-la! Je te dis de ne jamais prendre une décision avec la colère. Ça ne te rend jamais service. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux quoi? Tu veux juste que je m'asseye et que je meure? Il a déclaré celui qui doit être son prince héritier. Mais il était déçu lorsque Cheta lui a tourné le dos devant tous ses anciens. Il a joué son jeu. C'est mon tour de jouer le mien. Les vautours ne sont pas la nourriture des non-initiés. Annie Boigny a déclaré la guerre et je suis prête pour lui. Votre Majesté, je veux savoir ce que tu as remarqué aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé dans le palais. Bien. Tu as été choisi pour être prince héritier. Et j'imagine que soudainement, il a réalisé l'énorme charge qui va reposer sur lui en tant que prince héritier et éventuellement en tant que roi. Et il a changé d'avis. Tu peux avoir raison, mais je vais te dire, c'est plus profond que ça. Je ne peux pas saisir ce que c'est, mais quoi qu'il arrive, sache que ton père n'a plus assez de temps. Il n'a que demain pour déclarer le prince héritier. Sinon, votre famille le perdra. Tu peux être le suivant. Emeka est là. Emeka est là. Il faut simplement le voir venir et commence par décider. Soit tu acceptes la responsabilité ou tu la rejettes comme Cheta l'a fait. Idje, pour être honnête avec toi, je n'aimerais pas devenir prince héritier. J'ai fait de mon mieux en tant que ton gars. Je sais que tu veux rentrer, mais je veux que tu y penses. Je n'en ai pas besoin. J'ai dit qu'il faut y penser. Thank you.
Ifunanya, la seule raison pour laquelle j'ai pris ton appel, c'est pour savoir exactement où tu es. Alors, je vais te parler face à face. Laisse-moi tranquille. Reste loin de moi, Ifunanya. Karia, qu'est-ce qui ne va pas? Je veux dire, pourquoi est-ce que tu me parles? Maintenant, je connais le genre de mauvais cœur que tu as. Toi, tu me décevras toujours. Ainsi donc, ton frère se préparait à devenir le grand prince, n'est-ce pas? Vous avez échoué parce que ça ne marchera pas. De quoi est-ce que tu parles, papa? Je constate que ces gens ont dû mettre cette unité dans ta tête. Ifunanya, si tu sais ce qui est bien pour ton frère et toi, reprenez les dépenses faites contre mon frère. C'est ce que j'avais à te dire. S'il te plaît, ma soeur. Excuse-moi. Ce n'est pas toi, papa. Quelque chose ne va pas quelque part. S'il te plaît, laissons tomber tout ça. S'il te plaît, pardon. Épargne-moi de ton discours stupide. Ifunanya, pour la dernière fois, reprenez vos dépenses contre mon frère. Sorcière, n'importe quoi. Igwe, considérant ce qui s'est passé aujourd'hui, vous avez besoin d'être seul pour vous reposer. Mais j'ai dû revenir parce que nous devons parler. Je sais les problèmes que vous avez concernant la déclaration d'Emeka comme prince héritier. Les gens diront que vous avez succombé à la pression de sa mère. La bouche, c'est... qui révèle tout ce qu'elle a mangé, n'en fait rien manger. Un prince héritier doit mener son propre combat la plupart du temps, et non tirer des flèches en se cachant sous la jupe de sa mère. Igwe, on n'a plus de temps. Vous n'avez que demain. Et moi, je vous supplie de prendre la décision. Tu sais, je peux bien facilement choisir Ken comme prince héritier. Mais que se passera-t-il demain si on découvre qu'il était impliqué sur la mort de Philly? Les choses s'effondreront complètement. Je comprends, Votre Majesté. Mais s'il en est le cas, Emeka est là. Oh. Un homme qui danse le son de la musique de sa mère ambitieuse ne saura pas lorsqu'il traversera la ligne qui sépare les morts et les vivants. Écoute, demain, si j'ai quelque chose à dire, je dirai. Qui veut me voir? Est-ce toi, Ken? Oui, père. Officier, voici mon fils, Kenneth. Prince Ken Aliboin, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre du chien Ophili. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz ici pourrait être utilisé contre vous à la justice. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi êtes-vous obstiné à m'embarrasser?
ramener. S'il te plaît, je t'en supplie. Pour l'amour de Dieu, je t'en prie. Fais quelque chose, s'il te plaît. C'est mon seul frère, je t'en prie. Ça, c'est une confusion. Igwe, la police est sûre de la complicité de Ken dans ce cas? Ils ont dit qu'ils ont un nouveau témoin et qu'ils ont entendu de la bouche d'un membre du cabinet qu'il a une fois surpris Ken a été menacé au filet de mort. Hey! Ça, c'est sérieux. Père. Désolé. Tu vas bien? Va lui chercher de l'eau, va lui chercher de l'eau, vite! Désolé. 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 Désolé, tu iras mieux. Tu iras mieux, s'il te plaît. Désolé, calme-toi. Désolé, dépêche-toi avec de l'eau. Désolé, 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 désolé. Officier, je l'ai juste averti. Je ne l'ai pas tué. Je ne suis pas un meurtrier. Aviez-vous à aucun moment dit à votre père que vous alliez étrangler ou enterrer des y vivants? L'aviez-vous fait? Oui. Aviez-vous à un moment donné arrêté ou harcelé en présence des gens? Oui, oui, un cœur, oui. Et vous voulez que je croie que vous êtes innocent avec toutes les charges qui pèsent sur vous? Je ne l'ai pas tué. Je l'ai juste effrayé. Je ne l'ai pas tué. Jeune homme, vous devrez certainement plaisanter. Et croyez-moi, vous... Vous allez descendre. Et ça sera pour un bon moment. Alors, s'il vous plaît, commencez à me parler maintenant. Dites-moi ce que je veux entendre maintenant. C'est Sandra, votre majesté. Ah, Sandra. Oui, votre majesté. Ah, comment vas-tu? Je vais bien, votre majesté. Oh, bien, bien. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai apporté vos fruits. Ah, ah. Ah, tu m'as apporté les fruits. Oui, votre majesté. Oh, tu es un ange. Merci, votre majesté. Merci. Merci. Ah, ah. Alors, dis-moi, quels sont les fruits que nous avons là? Oh, il y a la pastèque. Oui. La banane. Oui. L'ananas. Oui. Tomates. Oui. Les pommes. Qu'est-ce qui se passe ici? Votre majesté. Votre majesté. Ah, ma chère. Sandra, oui, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue lui servir. Je t'ai dit que je devais servir ces fruits moi-même. Désolée, votre majesté. Mets-toi dehors! Votre majesté. Ne sois pas trop dur avec elle. Elle travaille bien. Votre majesté, je voulais te servir moi-même. Je sais.
Merci. Merci. Comment tu vas? Oh, je vais bien. Ça va, ça va. J'ai appris qu'il y a... Oui, des... nous avons quelques fruits ici. Nous avons la banane, la oui. pastèque, oui. l'ananas, les carottes, yeah. les pommes, le poulet. Tout ça pour toi. Oh. Tout va bien? Une douleur aiguë. Désolée. Oh, désolée. Désolée. Ça va. Tu dois juste manger quelques fruits. Ah, oui. La pastèque. Oui. Nous avons les ananas. Oui. Tu as les carottes, oui. le poulet. Oui. Désolée, Votre Majesté. Ah, tu dois commencer par la banane qui est juste devant toi. Juste. Juste devant, devant toi. Moi. Oui. Voici la fourchette. Oui. Merci. Tu dois te rapprocher de la table. Merci. Oui. Alors commence juste par la banane qui est devant toi. Oui, c'est ça. Vas-y, Votre Majesté. Oh, désolé. Tu dois juste manger que... S'il te plaît, mange quelque chose. Vas-y, mange quelque chose, s'il te plaît. Tout ira mieux si tu manges quelque chose. Je ne peux pas. Essaye, mange juste celui-là. Tu as l'air fatigué. Ma chère, ne t'en fais pas. Pourquoi ne manges-tu pas, plutôt? Vas-y. Ah, ok, Majesté. Ok, prends alors ta part, Votre Majesté. Tu dois juste manger quelque chose. Oh, désolé. Oh. Vas-y, 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 oh. Votre Majesté. Ma chérie. Oh, je ne parviens pas. Je ne parviens pas. Tu dois manger quelque chose, Votre Majesté. Tu dois manger quelque chose. Ok, allons-y pourquoi sur les pastèques. Couvre les plats. Oh. Je pourrais manger plus tard. Ou alors nous mangerons plus tard. Ah. Mange quelque chose, s'il te plaît. Oh, mon Dieu. J'ai l'impression qu'il sait. Tu as l'impression qu'il connaît quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Akuluna m'a donné quelque chose pour mettre sur le trône. Il a dit que celui qui s'assiera dessus deviendra sourd et muet. Quoi? Akuluna t'a donné quoi? Et tu as fait quoi? Tu m'as fini. Je n'ai rien fait. Ton argent travaille dur pour voir ce que tu veux que je devienne. Toi, essayer de tuer ton père? Tu as dit que c'est la guerre. Oh Dieu. Et ainsi mon père est un ennemi. Alors sois détesté. Tu m'as fini. Comment tu as pu? Rapprochez-vous. S'il vous plaît, pouvez-vous identifier cet homme?
officier, je ne connais pas son nom. Mais c'est le même homme qui conduisait la voiture qui a cogné ce vieil homme au carrefour à Rousseau. Êtes-vous sûr? Ah, officier, c'était lui le chauffeur, non? Qui est ce clown? Le sang de Jésus. Officier, vous avez amené un clown? Pour qu'il vienne m'identifier? Ah, tu m'as pourquoi, non? Officier, si vous l'aviez vu conduire cette voiture, comme s'il avait fait exprès. Tu dois être fou ou quelque chose ne va pas. Officier, ne croyez pas ce fou. Je n'ai pas tué Ophélie. Je ne l'ai pas fait. Chassez ce malade d'ici. Ok. Venez avec moi. As-tu quitté le palais? Pas encore. Mais attends 10 minutes. Fais-le et finissons-en. Ceci est ton héritage. Sois fort. Ok. Je te donnerai du temps et j'appellerai dans 30 minutes. Juste après l'avoir tué. Fais attention. Prends soin de toi. Vous êtes fou! Vous voulez que j'aille voir votre père? Vous lui dites que je me suis associé à vous pour le rendre sourd et muet? Or, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Permettez-moi de vous conseiller. Et avec votre soi-disant d'attaque de moralité, vous devrez avoir la sagesse d'aller vers votre père pour lui dire ce que vous voulez lui dire et supporter les conséquences. Oudje, nous sommes dans le même bateau, tu m'entends? Nous sommes tous les deux concernés. Et tu n'as pas d'autre choix que de m'aider. Écoute, Oje, si nous allons confesser auprès de mon père, il faudra lui dire tout ce que nous avons fait. Ok, il va nous pardonner et il n'aura pas d'autre choix que de faire de moi le prince héritier. Mais à quoi tu penses? Ça, c'est de la trahison. Je ne peux pas trahir. Je ne peux pas trahir. Oje, je t'ai dit ce que je veux. Tu m'entends? Je t'ai dit ce que je veux. Et tu n'as pas d'autre choix. Tu dois te rattraper parce que c'est impératif. Je crois que j'ai besoin d'une forte boisson. J'en ai également besoin. J'en ai aussi besoin. Monsieur Bohem. Je peux maintenant réfléchir normalement. Prince Etienne, nous n'avons pas besoin d'aller chez ton père pour confesser quoi que ce soit. Ce que nous devons faire, c'est de produire un charme qui va annuler le travail que nous avons mis sur le trône. Et puis faire un autre qui attachera la bouche de quiconque parlera de cette affaire-là. C'est tout. Est-ce possible? Avec de l'argent, tout est possible. Et nous avons assez d'argent. Nous avons assez d'argent. Bien. Bien. Si tu en veux encore, fais-moi le savoir, ok? Fais-moi le savoir. Nous avons un jour restant. Juste un jour. Laisse-moi retourner au palais. Nous en reparlerons. Juste un jour. Un jour, Dieu.
D'accord. D'accord. Idiot. Idiot garçon. Attends une minute. Je n'ai pas lavé mes mains avant de mettre mes doigts dans ma poche. Hey! Il y a ma Kansim. Il y a ma Kansim. Je suis fini. Est-ce ainsi que Akuro mourra? Non. J'ai mangé du poison sans avoir d'antidote. Hey! Hein? Allons-y, l'oignon, ça. Est-ce bon? Hey! Allons-y, l'oignon, ça. Est-ce bon? Non. Non. Gars, je réfléchissais. Et je voulais vous demander, si Prince Amaka tue son père, ne serons-nous pas ses complices? Gare, je veux que vous me faites confiance dans cette affaire. Je promets qu'il n'y aura pas d'intervention policière dans cette affaire. Dès que le prince Emeka étrangle à mort son père, il s'auto-proclamera le prince héritier et puis le roi. Automatiquement, je deviendrai le premier ministre traditionnel. Et vous, gars, vous aurez assez à jouir. Oui, oui, maintenant il est malade. Et on peut faire quelque chose. Ok. Sommes-nous tous d'accord? Oui. Bien. Nous pouvons alors avancer. Santé à notre équipe. Wow, votre majesté, je suis contente de vous voir. Toi aussi. Comment tu vas? Je vais bien. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis venue voir une amie. Comment tu vas? Je vais bien. Comment se porte sa majesté? Oui, il est juste là. D'accord. Il était supposé venir faire le bilan médical, mais je ne l'ai pas vu. Et je devine que personne ne lui a rappelé de venir. Oh. Tu sais, ça doit être une chose et une autre dans le palais. Je sais. Mais si je rentre, je veux le pousser à venir au rendez-vous. Ok. Ok, à plus tard. Excusez-moi, votre majesté. Oui? S'il vous plaît, tout le monde au palais devrait l'aider à ne plus trop se stresser. Hein? Pour éviter que cette même chose se reproduise. Que veux-tu dire par reproduire? Il est toujours aveugle. Bien, deux jours après que je sois venue au palais, il a été dans mon bureau. Par la grâce de Dieu, il avait retrouvé tous ses sens. Vous allez bien? Oh oui, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Ses sens? Oui. Ok, merci beaucoup. Merci pour tout. Je dois partir maintenant. Qui est là? Dites-moi, qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Hey, hey!
Qu'est-ce que tu fais? Monsieur, laissez-moi tranquille et allez-y selon les plans. Plan? Quel plan? Emeka, je reconnais ta voix. Quel plan parlez-vous? Odogu, de quel plan parlez-vous? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Ceci doit être un jeu. Ose que ça soit un jeu. Dégage de la route! Oh, je vais téléphoner de tes fesses. Oh mon Dieu! Oh, fais ceci, non? Fais quoi? Allez, fais quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Recule. À genoux. Jésus. Père. Couche-toi. Père. Couche-toi. Tu pensais que j'étais aveugle. Hein? J'ai recouvré la vue depuis très longtemps. J'ai tout vu. Un geste et je te fais sauter la cervelle. Cheta, Cheta, mais dis-moi ce qui ne va pas avec toi. Cheta, 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 s'il te plaît, parle-moi, s'il te plaît. Parle-moi et dis-moi ce qui ne va pas avec toi. Cheta, Cheta, hé, Cheta, Cheta, dis-ça, Cheta, dis-ça, dis-ça. Qu'est-ce que tu penses avec lui? Mais je ne sais pas, je suis venue, je l'ai trouvé comme Cheta, ça. Cheta, qu'est-ce que tu as mangé? Cheta, qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as mangé? Qui? Cheta. Akouloulua. Akoulou Mathieu. Akoulou, Akoulou Mathieu. Akoulou, Akoulou Mathieu. Akoulou, Akoulou. Mon fils, mon fils, mon fils. Cheta, Cheta. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va, Cheta. Cheta, mon fils, ça va. Cheta, mon fils. Cheta. 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 Ça va aller. Maintenez-le à cette position. S'il fait un quelconque geste, tuez-le. Arrêtez. Encore un pas. Je vous descends tous les trois. Allez, couchez-vous. Garde. Garde. Mbakou.
quelqu'un. Fais un geste. Je fais sauter sa cervelle. Maintenez-la au sol. Père! Père! C'est ce gars qui a pris la vidéo de maman. C'est lui. Donc c'est vous. Vous êtes les idiots qui ont fabriqué cette vidéo qui a conduit à la mort de ma femme. Vous êtes foutus. Igwe! Mère! Mon fils, je t'aime, mon fils, je t'aime. Maintenez-le au sol. Pendant que nous attendons les gardes qui sont allés chercher à Kadiako, je voudrais vous remercier tous les deux pour le rôle que vous avez joué pour maintenir la paix dans ma famille. Vous savez, cette période m'a en fait donné l'opportunité de découvrir beaucoup de choses. Igwe, il m'est toujours difficile de croire que vous n'étiez pas aveugle tout ce temps-là. Bien, j'ai décidé de profiter de mon aveuglement temporaire, sachant très bien qu'ils se relaxeront et qu'il y aura des coups montés sans que quelqu'un ne se soucie de moi.
Dieu nous sortira de tous ces problèmes. Nous triompherons, Votre Majesté. Amen. Ichie, je pense que tu dois commencer les préparatifs des funérailles de mon épouse, Ojunwa. Et n'oubliez pas votre fils, Chata. Le descendant du lion mérite toujours un enterrement convenable, qu'il pleuve ou qu'il neige. C'était mon fils. C'était mon sang. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez? Je suis à la recherche de Tchakounon. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, Sa Majesté Iguanibani aimerait le voir. Bien, c'est mon oncle et il n'est pas là. Et où est-il? Il est mort il y a quelques heures de cela. Il a été amené à la morgue de l'hôpital général. Je parle du Tchakounon qui vit ici. Oui, c'est de lui que je parle. S'il vous plaît, je suis occupé, excusez-moi. Osita, Anka, nous avons des crimes impressionnants reconnus par la police. Vous serez pendant un long moment derrière les barreaux. Alors vous ferez mieux de nous dire tout ce que vous savez sur ce qui s'est passé au palais. Au fait, l'enregistrement vidéo dans votre téléphone en contient beaucoup. Assez de preuves criminelles qui vous mettront au cachot pour un bon moment. Alors s'il vous plaît, dites-moi ce que je veux entendre. Officier, je vous l'ai déjà dit, je ne connais rien à ce sujet. J'étais là-bas au palais juste parce que... Avant que vous me disiez quelque chose de plus, je veux juste que tu sois au courant que ton partenaire, Tochuku, est entre nos mains. Et de ce fait, il a confessé absolument tout ce que vous avez fait dans cette ville. Il nous a dit que tu es la cause de tous les crimes commis dans cette ville. Donc faites attention aux mensonges. Dites-moi ce que je veux entendre. Qu'est-ce que Tochuku vous a exactement dit?
Je ne suis pas ici pour discuter de ce que Tautoko nous a dit. Je suis seulement ici pour avoir votre témoignage. Alors vous ferez mieux de commencer à me parler maintenant. Donc Tautoko pense qu'il est futé. Tautoko. Ok. Sans problème. Je vous dirai tout ce que vous avez besoin de savoir. Très bien. Où est-ce que je commence? Commencez depuis votre départ. Et je veux absolument tout. Igwe. Oh, es-tu venu confirmer si ton fils a réussi à m'assassiner? Igwe, je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai vu ton docteur. Elle m'a dit que tu n'es pas venu au rendez-vous. C'est pour ça que je suis venu te rappeler. Ah, maintenant je comprends. Tu l'as vu et elle t'a dit que je n'étais aveugle que pendant 2 jours. Tu étais tellement choqué que tu es venu confirmer. Igwe, non, je... Tu as tenté d'empoisonner mes fruits. Oh, tu pensais que je ne savais pas? Igwe, non, ce n'est pas... Ton fils est déjà entre les mains de la police. Et je pense que ce serait une excellente idée si tu allais le rejoindre. Ainsi, tu pourras leur expliquer ton implication dans la tentative d'assassinat contre moi. Igwe, honnêtement, je n'étais pas au courant des plans de mon fils. Igwe, honnêtement, Makachuku, je n'étais pas au courant de ces plans, honnêtement, Igwe. Je ne veux plus jamais reposer mes yeux sur toi. J'en ai terminé. Hey, Igwe. Igwe Bikosianu. Igwe, s'il te plaît, je t'en supplie. Igwe Bikosianu Kwamui. C'est moi ta reine, Igwe. Igwe Bikosianu, please. Aidez-moi à le supplier, s'il vous plaît. Je suis désolée. S'il te plaît, je t'en supplie. Hey! Igwe Kwanumo. Igwe, s'il te plaît, je suis désolée. Igwe, je suis désolée. S'il te plaît, je suis désolée. Igwe. Igwe, vous avez été un homme bon pour nous. Et cette communauté a assez bénéficié de votre leadership exceptionnel. Mais mon seul regret est que demain, quelqu'un de quelque part s'émergera et s'autoproclamera le prince héritier. Votre Majesté. Cela me brise le cœur de voir qu'aucun de vos princes ne soit en position d'être déclaré le prince héritier. Mais j'ai un fils qui est digne d'être déclaré prince héritier. C'est pour cette raison que je vous ai fait venir pour que vous puissiez témoigner ma déclaration. Igwe. Je vous salue tous. Sois le bienvenu, mon prince. Sois le bienvenu. Ton règne sera long. La police a découvert que c'était Akuluno et sa clique de vautour qui ont tué Philly et non Kenneth, mon fils. Et à cette occasion, j'invoque
les pouvoirs qui m'ont été conférés et je déclare mon fils Kenneth Adebwane comme le prince héritier de Mbuku. Igwe Adebwane. C'est ça. Père, tu as les caméras installées partout dans le palais? Tu te souviens, il y a de cela des années, lorsque j'ai envoyé toute la famille en congé aux Bahamas. Oui. C'est en ce moment que j'ai installé toute la couverture des caméras. J'appelle ça mon troisième œil. Et je savais qu'une tempête soufflait. Mais j'ignorais lorsqu'elle allait s'arrêter. Rien ne nous prépare à la haine, la colère, à la frustration, la trahison qui attendait sa jeune. Aussi également coupable, tu vois, la polygamie est importante à un moment donné de notre histoire, mais de nos jours c'est une responsabilité, une lourde responsabilité. J'ai tellement perdu. Tu ne parles pas? Désolé. Dieu. Attends que je te dise comment ça se passe à cet endroit. Vous ne comprenez pas, c'est pas possible. J'ai travaillé trop dur pour voir. C'est pas possible, j'ai travaillé trop dur pour voir ça. C'était pas... Gars. Non, les gars, je veux pas de problème. Attends. Non, c'est pas... Hé, regarde cette table. Non, les gars. Regarde cette table. Non, oh, je suis désolé. Oh, je suis désolé, les gars. Désolé. Désolé. Non. Désolé.
Chauffeur, tournez, vous me déposez là. Tournez un peu. C'est juste là, c'est pas long. Maman. Maman. Mère. 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 Maman. Maman. Je suis finie. Fils, les avocats nous donneront le jugement. Ils font tout leur possible. Maman, c'est tellement évident que tu n'entends rien faire. Je veux sortir d'ici. Je veux sortir de cet endroit. Emeka, je fais de mon mieux. Mère, c'est évident que tu fais de ton mieux, mais c'est pas vraiment assez. Je veux sortir. Arrête d'être irreconnaissant. Ces choses valent de l'argent et tu n'as rien. Je suis reconnaissant. J'ai décidé de prendre sur moi toute la faute. Mère, je suis ici à cause de toi. Je n'ai pas mentionné ton nom. Je t'ai mis en dehors de tout ça. Je t'ai protégé. Fais-moi sortir. Chukwu Emeka, arrête de te comporter comme un lapin pris au piège. 7 ans, ce n'est pas 17 ans. Avec le temps, tu seras hors d'ici. Nous pouvons refaire le plan. Chukwu Emeka, je souffre. Je ne peux pas retourner dans la maison de ton père, même dans la maison de mon père. Chukwu Emeka, j'ai été persécuté par la communauté. Si ce n'est pas ta maison, en ville, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Je comprends. Je comprends. Je vais aller voir un avocat et avoir des papiers que tu vas signer. Nous devons vendre les propriétés des Ikitia afin d'avoir assez d'argent pour résoudre ces problèmes. Pas de problème. Chukwu Emeka, s'il te plaît, sois fort. S'il te plaît, sois fort. D'accord, maman. Tu sortiras d'ici avec le temps. D'accord, maman. Je dois partir maintenant. D'accord, maman.
Maman. Oui, mon fils. Je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est, mon fils? D'une très grande importance. C'est secret. Un secret? Qu'est-ce que c'est, mon fils? Je dois te le chuchoter. Je veux que tu saches que... Aide-moi! Un secours! Un secours! Besoin d'aide, s'il vous plaît! Besoin d'aide!